Bonjour à tous, bienvenue à la présentation qui va s'intéresser aux facteurs qui agissent sur la consommation de l'autrui en lactation et les performances sur sa portée. Mon nom est Frédéric Gay, je suis professeur au département des sciences animales de l'Université Laval. Pourquoi donc étudier la consommation de l'autrui en lactation? Il faut comprendre que le lait est un nutriments très énergétiques, qui contient une forte concentration en nutriments et donc qui demande un apport alimentaire important pour que l'autrui puisse synthétiser ce lait. Cette production laitière-là, elle est importante parce qu'elle est associée directement avec avec le gain de la portée, qui est donc l'élément clé pour assurer un poids de sevrage optimal chez le porcelet. Pourquoi s'intéresser plus particulièrement à la consommation de l'autrui et donc au gain de la portée? Il faut comprendre que l'augmentation du nombre de porcelets sevrés et donc le besoin pour la production laitière a augmenté de façon importante en raison, dans un premier temps, du nombre de porcelets sevrés au cours des 20 dernières années. Ce qui a, comme je viens de le mentionner, a un impact sur le besoin de la truie. Donc, on voit ici, c'est le besoin énergétique pour la truie en lactation au cours des dernières années en fonction de l'augmentation du gain de la portée. Et associé à ça, il faut que le besoin soit comblé. Bien, la truie doit consommer plus, donc une consommation ainsi qu'un besoin qui, au cours des 20 dernières années, si on veut combler le besoin de la truie, aurait dû augmenter d'environ 15 à 20 %. Si on ne comble pas les besoins, naturellement, ça peut avoir un impact à court et à long terme sur la baisse, sur les pertes de poids de la truie en lactation, ce qui peut avoir des performances à la portée suivante, mais aussi sur la productivité à vie de la truie. Donc, c'est intéressant à cette consommation-là parce qu'elle a un impact donc, sur le gain de la portée. Donc, quels sont les facteurs qui sont associés à la consommation de la truie? Naturellement, on va regarder les principaux, mais il y en a plein. Les facteurs externes, donc, le premier, je pense le plus important, c'est la température ambiante qui va avoir un impact majeur, refroidissement lorsque c'est possible. Toutefois, on voit que lorsque la température augmente, ça a une incidence directe sur la consommation de la truie. Donc, principalement, lorsque la température augmente au-delà de 25 degrés, entraîne une baisse de consommation et donc une augmentation de la perte de poids chez la truie. Pour pallier ou du moins pour s'assurer d'une consommation optimale, principalement lorsque les conditions de température sont plus élevées, on doit s'assurer aussi de la consommation d'eau. La consommation d'eau va avoir un impact direct sur la consommation d'aliments par la truie. On voit ici que pour chaque kilo de consommation par la truie, pour chaque kilo de consommation d'aliments, la truie devra consommer environ 5 litres d'eau, et plus la température augmente, même plus cette consommation-là devra être importante. On peut aussi pallier en partie la baisse de consommation due à une augmentation de température ou pour toute autre raison qui affecte la consommation de la truie en augmentant la concentration en nutriments de notre régime. La concentration en énergie, entre autres, par la supplémentation en gras, mais il y a quand même une limite, comme on voit dans le tableau. Oui, il y a un certain effet sur le gain de portée, sur la variation de poids, mais il reste qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes d'augmentation de concentration. S'il y a une augmentation de température, il est possible aussi de réduire la concentration en protéines brutes du régime et de supplémenter en acides aminés essentiels. Tout ça dans le but de réduire
l'augmentation de température postprandiale, qui est connue pour être plus élevée, si la teneur en protéines est plus élevée. Donc, ça peut emmener un effet, une certaine mitigation, mais encore là, avec des effets limités. On peut également travailler sur le profil d'alimentation de la truie, donc augmenter le nombre de repas, donner une alimentation à volonté. Maintenant, il y a des systèmes d'alimentation à la demande qui permettent d'optimiser ou du moins tentent d'optimiser la consommation de la truie. Principalement, lorsqu'on est en stress thermique, bon, on peut modifier la période de distribution des repas. Donc, comme encore là, montre le tableau ici, montre que lorsqu'on augmente le nombre de repas, et principalement si ce repas-là est donné pendant les périodes de la journée où la température risque d'être plus basse, mais ça peut amener une augmentation de la consommation avec bon, une certaine hausse qui peut varier de 5, 10, 15 %. Ça peut être une façon de pallier en partie et d'augmenter, peu importe les circonstances, la consommation. Le type d'aliment va avoir un impact, bon, des fois positif, des fois négatif. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas toujours de conclusion nette là-dessus, que ce soit sous forme de granules, de farine, liquide ou solide. Il reste que pour chaque ferme ou pour chaque condition, il y a probablement un optimum ou du moins à investiguer cet aspect-là du type d'aliment. Parmi les facteurs externes, il y a également le nombre de porcelets ou la taille de la portée. On voit ici que plus le poids de portée augmente ou le nombre de porcelets, mais la consommation va être stimulée à un certain niveau. Par contre, généralement, le besoin de la portée est toujours plus élevé que le besoin, que le niveau de stimulation qui est amené par les porcelets. Donc, on va souvent observer un déficit énergétique associé au nombre de porcelets. Donc, pour ça, on va donc s'assurer que les conditions, oui, externes, mais aussi internes à la truie sont optimales si on veut réduire la perte de poids et maximiser le gain de portée. Parmi les facteurs internes, il y a naturellement le rang de portée ou le poids de la truie qui est connu. C'est certain que ça, on ne peut pas le changer. Une truie de première portée reste une truie de première portée. Par contre, on va voir un petit peu plus loin qu'on peut tenir compte de certains éléments afin d'optimiser la consommation chez les truies de rang de portée inférieure, surtout de première parité. L'un des éléments sur lesquels on peut jouer, c'est le taux d'adiposité de la truie, donc essayer d'avoir un taux d'adiposité optimal. Généralement, un taux d'adiposité plus élevé va entraîner une baisse de consommation, donc un taux de gras dorsal plus élevé à la mise bas va emmener une consommation plus faible en lactation. Par contre, il y a de la variation entre les différentes sources génétiques de truie, donc il y a un optimum à atteindre qui peut varier d'un type de truie à l'autre. Par contre, de façon générale, on peut dire qu'une truie qui a un niveau d'adiposité plus élevé ou trop élevé par rapport à l'optimal va consommer moins. Il y a aussi au-delà, oui, une truie trop grasse, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche, mais une truie qui est déjà en perte de poids, que ce soit en perte de gras ou en perte de masse globale, va généralement moins consommer. Ce que ça veut dire, c'est qu'une truie qui est principalement en catabolisme avant la mise bas, due à une carence, qui est déjà en lipolyse, va généralement avoir une consommation réduite, principalement en début de lactation. Donc, ce que ça signifie, c'est que de restreindre une truie de façon trop importante avant qu'elle mette bas, ça pourrait entraîner une réduction de consommation dans la première semaine de lactation. Cette première semaine-là, elle est particulièrement importante si on veut optimiser la consommation à long terme. Donc, on voit qu'il y a une relation linéaire entre la consommation pendant la première semaine et la consommation totale. Et ça, c'est
particulièrement vrai pour les truies de rampe portée, de premier rampe portée, où chez ces truies-là, on voit que la pente observée, la pente entre la consommation pendant la première semaine et la consommation totale est plus importante. Donc, chez ces truies-là, c'est encore plus important de favoriser une consommation importante pendant cette première semaine si on veut optimiser la consommation à long terme. Probablement dû à une certaine limite chez ces truies-là à compenser une consommation plus importante pendant les 2 à 3e semaines. Donc, déjà dès la première semaine, chez les truies de rampe portée 1, là, de maximiser la consommation, ça aide à avoir une consommation globale qui est plus élevée. La génétique, je l'amène ici parce que c'est juste pour démontrer, puis pour montrer que oui, il y a une certaine irritabilité, donc il y a un certain potentiel de sélection sur ce caractère-là. Et qu'en parallèle, souvent, lorsqu'on sélectionne pour la croissance de la portée, de façon indirecte, on va sélectionner pour la consommation aussi, mais on risque aussi de sélectionner également pour le niveau d'état de chair de la truie, donc le niveau d'engraissement de la truie au sevrage. Donc, ce que ça signifie, c'est que si j'ai une truie qui consomme bien, j'ai une truie qui va avoir une bonne croissance de la portée et je devrais aussi avoir un état, un niveau d'engraissement de la truie qui est correct. Par contre, ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas nécessairement surstimuler la consommation de la truie pour que la truie, pendant la lactation, se mette à gagner du gras dorsal au détriment du gain de portée. Donc, ce n'est pas une truie qu'on produit, c'est des porcelets. Donc, la consommation, oui, on voit, ça a un impact positif sur le gain de portée. Par contre, si j'ai une truie qui gagne du gras dorsal pendant la lactation, ça risque de se faire au détriment du gain de portée. Et de là à regarder l'aspect de l'efficacité. Donc, au lieu de regarder la simple consommation, on devrait aussi s'intéresser à l'efficacité globale de la consommation en lactation. Donc, de regarder le ratio entre la sortie et l'entrée. Donc, la sortie, c'est les poids de porcelet, c'est le gain de porcelet versus les entrées qui sont l'aliment que la truie consomme et une certaine mobilisation des réserves. Donc, oui, est-ce qu'on doit suralimenter la truie? On va voir que dans cette étude-là, ils ont observé que les truies les plus efficaces, ce n'est pas nécessairement les truies qui consomment le plus. Oui, notre truie doit bien consommer, mais qu'une surconsommation, ce n'est pas nécessairement ce qui va donner le poids de portée, donc ce qu'on appelle la sortie ici, la plus importante, et surtout, ce n'est pas nécessairement le système qui va être le plus efficace. Donc, si on résume tous ces petits éléments-là, donc il y a des facteurs qui agissent sur la consommation, des facteurs externes à la truie, la température étant probablement le plus important. La portée va venir jouer un rôle, mais ce n'est pas suffisant. Donc, oui, la truie va, pas la truie, mais la portée va venir stimuler la truie à produire plus de lait, donc à consommer éventuellement plus, mais il faut travailler au niveau de la truie, donc s'assurer d'un état métabolique optimal au moment de la mise bas et dans la première semaine de lactation. L'aspect génétique est important parce que ça peut déterminer différents paramètres à optimiser. Et parmi ceux-là, ben oui, la consommation est importante, mais on devrait aussi regarder l'efficacité de l'utilisation des nutriments par la truie pour produire des porcelets. Donc, je vous remercie et on pourra répondre à vos questions.